Il était une fois un ministre de l'Éducation nationale qui, devant le Sénat, le 21 janvier 2021, déclara « Aucune classe, aucune école ne sera jamais fermée sans l'accord du maire ». Face aux trop nombreuses charrettes de fermeture de classes que nous constatons tous dans nos communes, nous nous disons que le ministre de l'Éducation nationale a bien changé. La situation, elle, n'a pas changé. Nous avons dans ces écoles les élèves de la génération autotest qui vont terminer leur troisième année scolaire dans une situation de grande souffrance psychologique, voire, pour certains, en plein décrochage. Monsieur le Premier ministre, puisque le ministre n'est pas là, quelle est la stratégie du gouvernement en matière de carte scolaire, notamment en milieu rural? Merci, Monsieur le Président. Les élus ruraux ont le sentiment que l'État ferait tout pour que la France des campagnes aille de mal en pis. Carburant hors de prix, construction et PLU interdits, communes sans trésorerie, territoires sans téléphonie, médecins partis et maintenant carte scolaire sans stratégie. C'est une faute et une erreur. C'est une faute parce que le ministre de l'Éducation nationale ne tient pas son engagement d'écouter les élus. C'est une erreur parce que la France des campagnes, la France rurale, est en train de se reconstruire grâce à ses élus. En tenant d'une main la fibre, en tenant de l'autre pour inventer des services, en essayant de sauver des commerces. La modernité, c'est la ruralité. L'espoir, c'est l'espace. Alors il est encore temps de sauver et de revenir sur cette décision en donnant des instructions pour faire cesser la casse des classes et sacraliser la ruralité. Je vous remercie. Merci.